Et bonjour! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour notre 18e jour. On va commencer debout, c'est pour ça que je suis debout. Et aujourd'hui, on va travailler sur un yoga anti-fatigue. Donc on va mettre nos pieds bien parallèles à nos hanches. On va fermer les yeux. Et sentez les pieds dans le sol, abaissez vos épaules. Commencez à respirer calmement. Et on va commencer à mettre notre intention dans cette pratique qui est la fatigue est le fruit d'un déséquilibre intérieur. À chaque fois donc que je suis fatiguée, que j'ai moins d'énergie, c'est simplement qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur. Soit que je ne m'écoute pas, soit que je ne prends pas en considération certaines choses. En tout cas, il y a quelque chose de déséquilibré. Donc j'essaye de rééquilibrer à l'intérieur, j'essaye de chercher le problème. Donc ancrez bien vos pieds au sol. Prenez l'énergie de la terre. Et vous pouvez ouvrir les yeux doucement. Et on va frotter les mains. Frottez bien vos mains. Vous pouvez essayer de chauffer. Et on va tapoter sous les yeux. Donc on va tapoter sur des endroits vraiment de... Comment on appelle ça? Je vais trouver mes mots. Hein. En même temps, il est tôt. C'est des endroits pour stimuler en fait l'énergie et donc pour défatiguer, voilà. Donc on tapote ici en dessous les yeux et puis on va tapoter au-dessus, au niveau des clavicules. Et au niveau du sternum. Ça respire bien au niveau des hanches. Et sous les genoux. Il y a un petit point ici qui permet de défatiguer facilement. Relâche et on va frotter le front vers l'arrière 3 fois et on va frotter les bras comme si vous enleviez les énergies usées. On défatigue tout le corps, on vient derrière le dos aussi, frottez bien derrière le dos, les jambes. Et relâchez doucement. Ici, inspire, expire. Et on va ouvrir derrière, on prend les mains et on ouvre la cage thoracique, on ouvre les épaules. Inspirez. Et à l'expire, on redescend, on arrondit. Je profite. Et inspirez, tire, ouvre. Et expire, arrondit. Encore. Inspire, ouvre la cage. Et expire, arrondit. Dernière fois, inspire, ouvre, et expire, arrondi. Relâchez. On va faire des petits cercles avec les épaules vers l'arrière. Et on va ouvrir un peu plus les pieds. Et faire des ronds avec les hanches. Pour vraiment réveiller le bassin, le centre énergétique. Dans un sens, puis dans l'autre. On relâche. On va juste soulever les genoux. Donc, pour là, réveiller encore un peu la hanche. Donc, un genou puis l'autre. Les bras ballants. Et après, on va monter le bras et le genou. Là, ça, c'est vraiment un exercice pour défatiguer et réveiller le corps et l'énergie.
Respirez bien. Et là, on va juste toucher les genoux. Même chose. Et on va chercher un petit twist dans le corps. Inspire, expire. Ok, relâche. Relâche les jambes. Là, des petits tours avec les pieds. Dans un sens, puis dans l'autre. La même chose, dans un sens, puis dans l'autre. Et reste là, plomb, et respire. On va coller les pieds ensemble, inspirer les bras vers le ciel, on croche, on a les index ici vers le ciel, inspirez. Et à l'expire, on va à droite puis à gauche. On réveille les flancs, les côtés doucement. Donc là, à votre rythme, on va de droite à gauche. On rentre son ventre. On serre la taille. Et on va d'un côté puis de l'autre. On revient au centre, inspire. On essaie de baisser les épaules. Et à l'expire, on va sur le côté. On étire. Respirez. Inspire, expire, on revient. Inspire, expire de l'autre côté. Et tire bien, allonge. Inspirez, plie les genoux et va loin devant. Avec un dos droit. Rentre ton ventre. Presse bien tes genoux ensemble. Inspirez. Et expirez, on remonte et on relâche. Ouvrez les bras, accueillez les sensations. On va refaire ça une deuxième fois. Inspire, monte les bras au ciel, croche les mains, sauf les index. Pousse les index vers le haut. Étire-toi un maximum, abaisse les épaules. Inspire le nombril et serre la taille. Inspire et expirez. Dans un côté. Inspire, expire, allonge. Inspirez, expirez, reviens. De l'autre côté, inspire, expire, l'autre côté. On étire, on allonge, on essaie de baisser les épaules. On va loin. Et on remonte, inspire, plie les genoux, expire vers l'avant. On étire un maximum, baissez les épaules. Là, on est vraiment en table. Et on essaie vraiment d'être le plus droit possible. On a le buste sur les cuisses, on allonge, on étire, on inspire. Et à l'expire, on remonte et on relâche. Accueillez les sensations. Et on va se mettre à l'avant de notre tapis. Les pieds joints ensemble, on ouvre les épaules. Inspirez, on ouvre les bras au ciel. Expirez, on relâche. Inspire, on ouvre. Expire, on relâche. Encore. Inspire, ouvre la cage. Expire, on relâche. Inspire, ouvre. Expire, on relâche. Et jambe droite, jambe gauche, on planche, on étire, on allonge, on rentre son ventre, on pousse dans ses mains, inspire. Expire, pose les genoux et viens te mettre sur le dos. Sur le ventre, pardon. On prend les mains derrière, à l'arrière du corps. On étire les épaules. Donc d'abord, on étire. On n'est pas décollé du sol. Et ensuite, on pousse et on décolle son ventre. Plutôt ses épaules du sol. Inspirez. Et expirez. On baisse. On met les bras en croix. Inspire. Et expire. On va toucher le pied. Ah, ça craque, moi. Le pied dans un sens, puis dans l'autre. Inspire, expire. Essayez d'aller chercher de chaque côté. Maintenant, on masse les épaules. On réveille encore un peu le dos. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ramène les deux mains au sol. Pousse. Dans tes mains,
petit cobra. Tends bien tes jambes, inspire, pousse, expire, chien tête en bas. Là, on donne un bon chien tête en bas, on étire, on allonge, les épaules sont loin des oreilles. On fait un petit pédalo avec les jambes pour réveiller encore davantage les pieds, les hanches. Inspirez. Et à l'expire, on va ramener la jambe droite entre les deux mains, poser le genou gauche et étirer le corps vers l'avant. Inspire. Expire, étire. Inspirez. Expire, on pose les deux mains au sol, à l'intérieur du pied, on décale le pied droit et on va déposer ses coudes sur le sol si on peut. Si on ne peut pas, on reste tranquillement. Sinon, on va chercher la position du lézard un peu plus loin en posant les coudes sur le tapis. Inspire, expire, relâche. Inspire, expire, repousse ta main gauche au sol et ouvre ton bras droit ici. Et si tu peux, tu presses dans le sol et tu tends ta jambe. Torsion ici. Respire. Inspire, expire, ramène les deux mains au sol, planche. Inspire ici. Expirez, pose tes genoux et chaturanga. Petit cobra, je pousse dans mes mains, j'essaie d'aller un peu plus loin. J'ai toujours vraiment les coudes pliés et près du corps. Inspire, expire, je redescends. Je croche les orteils et je repousse dans mes mains. Viens tête en bas. Inspire, expire. Inspirez. Expirez, jambe gauche entre les deux mains. Le genou droit au sol et j'étire. Je baisse mes épaules, j'allonge. J'inspire, j'expire. Inspirez. Expirez, je pose mes deux mains au sol. Les mains vers l'intérieur. Et je viens poser mes coudes si je peux. L'intérieur du pied gauche, bien évidemment. Étirez bien, relâchez. Souvent la fatigue, elle s'installe dans le psoas. Quand on est fatigué, on a tendance, parce que le psoas c'est un muscle poubelle, donc il faut bien bien l'étirer pour défatiguer l'ensemble du corps. Inspire, expire. Repousse les mains, ouvre ton bras gauche. D'abord, on ouvre le bras gauche, on est bien installé. Le ventre est collé à la cuisse. Inspire, on presse les orteils. Expire, on tend la jambe et on étire. Inspire, expire, reviens. Planche, inspire. Expire, on va ouvrir à droite. Restez à droite, soit ici, soit je monte ma jambe. Là, je vais y avoir vraiment le bassin face ici à moi. Si je suis comme ça, je baisse ma jambe. Il faut vraiment stabiliser le bassin. Inspirez, expirez, je relâche, planche. Inspire, expire de l'autre côté, j'ouvre. Je monte la jambe si je suis stable et que mon bassin est bien droit pour avoir plus d'instabilité et trouver mon équilibre. Inspirez, expire, je reviens. En planche, j'allonge et je viens. Genou front et je tends. Genou front et tends encore. Et inspire, expire. Inspire, expire. Encore. Encore deux de chaque côté. Droite, gauche, droite et gauche. Et je repousse mes fesses et j'étire, j'allonge, je respire et j'accueille les sensations. Inspirez,
Expire, je marche ou je saute entre les deux mains. Inspire, je monte les bras au ciel. Et à l'expire, je redescends. Encore. Inspire, je monte. Et expire, je redescends. Inspire, je creuse. Expire, je marche, je saute en planche. Inspire. Expire. Soit je pose le genou, soit chaturanga. Je remonte toujours mon ventre. Inspire, je repousse dans le sol. Chien tête en deux. Haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, je monte ma jambe droite et j'étire sur le côté. Vraiment, ma hanche s'étire un maximum. Inspire. Expire, je viens mettre ma jambe droite entre les deux mains. Et gauche à 45 degrés. Et je viens guerrier 1, je monte les bras au ciel, inspire. Expire. Inspirez. Expirez, je viens guerrier 2, j'ouvre, j'allonge. Et si j'allonge mes bras, je baisse mes épaules et je regarde loin devant moi. Inspirez. Expire, je monte. Inspire, je descends. Expirez. Inspire. Et expire. Encore deux fois. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspirez. J'allonge et je vais loin devant. Donc soit je reste là et je prends appui sur mon genou et j'étire. Soit je pose ma main à l'avant du pied et j'étire un maximum. Inspire, expire. Inspirez. Expire, je reviens guerrier 2. Je tends ma jambe. Je ramène un peu ma jambe gauche si c'est nécessaire. Et je pousse mes hanches pour venir poser ma jambe, ma main, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du pied ou sur le genou. Pour étirer ici en triangle. Inspire, expire. Inspire, expire, je ramène mes deux mains au sol, ici, je tends ma jambe, et ici, je vais micro-plier mon genou pour ne pas avoir trop de tension derrière la jambe, et je viens tendre, me poser ici en guerrier 3, les bras en namasté, j'allonge, et si j'ai plus de difficultés, je viens poser ma main gauche et j'ouvre à droite, et j'allonge ma jambe, je rentre mon ventre. Inspirez, expire, je ramène mes deux pieds au sol, je relâche la tête, inspire, je monte, expire, je relâche, la même chose à gauche, inspirez, expire devant, inspire, j'allonge, expire, je marche, je saute en planche, inspire, expire, chaturanga, chien tête en haut, j'étire, j'allonge, je pousse, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche et j'ouvre la hanche. Inspirez, expirez, jambe gauche entre les deux mains qui est à 45 degrés et j'ouvre guerrier. Inspire, expire, inspire, j'ouvre guerrier 2. Je reste, j'allonge, je pousse, je rentre mon ventre, je serre ma taille. Inspirez, expire, je monte. Inspire, expire, inspire, expire, encore, inspire, expire, dernière fois, inspire, je reste, j'allonge et je vais loin devant, je pose et j'étire mon bras un maximum. Inspirez, expirez, je remonte, guerrier 2, je tends ma jambe, je ramène un peu ma jambe droite si c'est nécessaire, et je vais loin devant, triangle, pareil, je pose soit ma main à l'extérieur, à l'intérieur ou sur le genou pour étirer un maximum. Inspire. Expire, je reviens guerrier 2. Je
pardon, je pose mes deux mains et je vais ramener ici mon poids sur la jambe gauche. Guerrier 3, j'allonge. Et c'est si je veux, je pose ma main droite pour ouvrir ma main gauche. Inspire, expire, je redescends. Je relâche le corps à l'avant, je prends mes deux coudes et je relâche. Inspirez, expirez, je descends et je viens m'asseoir au sol. Jambe gauche devant, inspire, on ouvre. Expire vers l'avant, étire. Inspirez, expire, déroulez. Échange de jambes. Inspire, monte. Expire, loin devant. Étire. Inspirez, expirez, déroule et reste ici dans la position. Donc soit en lotus, soit les jambes en tailleur. Faire la respiration. On va faire Kapalabhati. Donc à chaque fois, on rentre le ventre. À l'expiration, par le nez. Mais en inspiration, par le nez. On fait ça 50 fois et ce sera terminé. On prend une grande inspire, une grande expire. Inspirez. Et relâche. Accueille les sensations. Détends entre les deux yeux, tes épaules, tes hanches. Sens l'énergie qui circule, la fatigue qui s'estompe petit à petit. Et remets l'intention, l'affirmation. La fatigue est le fruit d'un déséquilibre intérieur. Je vais vous lire les deux petites idées positives par jour. Celui qui confesse son ignorance la montre une fois. Celui qui essaie de la cacher la montre plusieurs fois. C'est un proverbe japonais. Et la deuxième, l'amour ne sait rien du passé ni du futur, il est sans cesse nouveau. Ça, c'est un philosophe indien, mais je ne vous dirai pas son prénom, c'est trop bien. C'est Krishnamurti. Voilà. Restez les yeux fermés. Trouvez le calme. Mettez les mains en namaskar devant le cœur. Inclinez votre tête vers les mains, remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour cette pratique. Namasté. J'espère que vous vous sentez en forme pour la journée. Je vous fais plein de gros bisous. Salut !